Yo les gens, ne quittez pas tout de suite cette vidéo, Minecraft va arriver. Juste avant, je voulais te poser une question à toi derrière ton écran. Est-ce que tu t'es déjà demandé si un jour ce serait possible de jouer au meilleur jeu PC sur n'importe quel support comme une tablette ou un portable, et tout cela peu importe l'endroit où tu te trouves? Eh bien sache que maintenant cela est possible grâce à Boosteroid.com. Boosteroid, c'est quoi? Boosteroid.com, c'est une plateforme de jeux en ligne avec un catalogue de 50 jeux gratuits et plus de 150 jeux payants. La seule chose dont tu as besoin pour jouer à Boosteroid.com, c'est une connexion internet stable et un ordinateur fixe portable. Ça peut être aussi un Mac, une tablette ou ton téléphone. Maintenant tu es prêt pour jouer à Among Us, FIFA 20, GTA 5, Red Dead Redemption 2, Minecraft et plus encore en seulement quelques clics. Prends part à la révolution du jeu vidéo et rejoins-nous sur la meilleure plateforme de cloud gaming. Clique sur le lien en description, il y a des abonnements à seulement 4,16€ par mois. Allez, on se voit sur Boosteroid.com, la vidéo va commencer. Et yo les gens, c'est DiaboloFit35, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va extrêmement bien puisqu'aujourd'hui voilà, on s'apprête à faire une magnifique expérience avec la fondation DF35. Enfin, quand je dis expérience, ce sera plutôt une sorte de test. Effectivement, on va tester la fondation DF35. Comme vous le savez, en ce moment, on a un gros ennemi à la fondation DF35. Cet ennemi, c'est tout simplement Breaking News. Breaking News, c'est un géant d'environ 5-6 mètres qui est extrêmement sombre. Quand je dis sombre, c'est pas pour dire voilà qu'il est méchant ou quoi que ce soit. C'est vraiment sombre au sens physique du terme, puisque voilà, il est constitué de Vanta Black. Et le Vanta Black, c'est un matériau qui absorbe presque toute la lumière. Du coup, voilà, il est ultra noir. Et dans la nuit, bah, du coup, on le voit très peu. Le test du coup que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est qu'on va attaquer la fondation DF35 de jour avec Breaking News. Là vous allez me dire, mais attends, t'es devenu ami avec Breaking News pour le ramener avec toi et attaquer la DF35 Foundation? Non, encore une fois un gros merci au Dr V qui m'a filé une potion de Breaking News. C'est à dire que voilà, c'est une potion qui me permet de me transformer en Breaking News. Donc évidemment je vais pas l'utiliser tout de suite parce que voilà, la fondation DF35 elle est juste ici. Donc là il y a beaucoup de monde qui est en train de travailler à l'intérieur. Je crois qu'il y a Caris, le voisin Valentin, le policier Christian, et je crois que c'est tout. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, mais j'en ai pas connaissance. Du coup, voilà, nous, on va passer tranquillement, voilà, de manière furtive, tous les longs des bâtiments, là-bas. On va se rendre tout là-bas, et on va se mettre en Breaking News, et déjà, on va voir si la fondation DF35 surveille un petit peu les alentours, et vont voir Breaking News. Ensuite, dans un second temps, eh bien, on ira les attaquer, pour voir ce qu'ils ont prévu contre une attaque de Breaking News. Donc, voilà, c'est un petit peu, genre, similaire à un test incendie, genre, dans votre collège ou lycée. Sauf que, voilà, là, ça va être un test de Breaking News. Bref, juste avant que j'aille prendre ma potion, du coup, à côté des poteaux électriques qui sont juste là-bas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et activer la cloche de notification pour ne plus rien louper de mes prochaines vidéos, notamment les prochaines vidéos avec des monstres. Et d'ailleurs la vidéo de demain, vous allez voir, c'est un nouveau monstre, il est incroyable. En plus, si tu t'abonnes, tu feras partie de la team zombie. La team zombie, c'est qui? C'est tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Du coup, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et si tu veux plus de vidéos avec Breaking News, voilà, si c'est un monstre qui te plaît et qui te fait flipper, eh bien je t'invite à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo et à 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, je ferai automatiquement une nouvelle vidéo avec Breaking News. Alors même si tu te fais pas flipper, eh bien mets un gros pouce bleu sur cette vidéo. Bon allez, let's go, on va aller boire notre potion près des poteaux électriques là-bas. Et on va voir déjà en se transformant en Breaking News, est-ce que déjà, voilà, la DF35 Foundation surveille bien les alentours. Et puis voilà, normalement ils sont un peu préparés parce que depuis la dernière fois je me suis retrouvé seul face à Breaking News. Et du coup on a un petit peu flippé que je meure. Et bien voilà, normalement tout le monde s'est un petit peu plus entraîné pour affronter Breaking News. Et notamment voilà, essayer d'attirer, etc. Du coup voilà. Bon, je me retrouve près des protos électriques dans très peu de temps là, let's go. C'est bon, j'y suis très bientôt. Voilà, je vais prendre ma petite potion. Hop, voilà, regardez, on est à côté des poteaux électriques. Donc là, je vais prendre la petite potion et attendre que tout simplement les effets fassent leur effet tout simplement. C'est bon, j'ai bu la potion. Ok. Bon, il faut attendre un petit peu de temps maintenant. Mais on va voir combien de temps ça va prendre. Et puis voilà, la potion étant bue maintenant, eh bien on n'a plus qu'à attendre. Normalement c'est autour des 10-15 minutes d'après ce qu'il m'a dit sur cette potion là. Bah let's go attendre. Ok, ça fait 15 minutes les abonnés que j'attends et je commence à sentir des effets chelous dans mon corps. Ok, ma vision se trouble. Wow. Je suis beaucoup plus gros, j'ai l'impression. Waouh. Ça a marché. Je suis en Breaking News. Oh, c'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Je suis tellement colossal. Waouh, c'est un truc de dingue. Alors il y en a qui vont me dire, mais attends Diabolo, la DF35 Foundation, vous avez étudié Breaking News et il est censé arriver seulement entre voilà, le coucher du soleil et minuit. Sauf que toi voilà, tu vas arriver en plein jour
comprendre. Du coup, effectivement, je sais que c'est un petit peu bizarre du coup pour la DEF35 Foundation. Sauf que voilà, ils vont vraiment avoir le monstre sous leurs yeux, du coup ils peuvent pas trop douter. Et moi ça m'évite surtout en fait de croiser le vrai Breaking News. Parce que si j'avais fait ça dans les horaires de Breaking News, eh ben j'aurais pu très bien tomber nez à nez avec le vrai. Et je sais pas comment il aurait réagi s'il avait vu que je l'imitais. Et peut-être qu'il aurait essayé de me buter, et ça vraiment ça aurait pas été cool. Bon bref, du coup, on se rend proche de la DEF35 Foundation. Non, j'ai cassé un fil électrique. Oh le débile. Bon c'est pas grave. Ouais, du coup on va s'y rendre tranquillement. D'ailleurs, il y en a peut-être qui vont se demander, mais pourquoi est-ce que tu t'es pas rendu à la DEF35 Foundation avant? Genre pour voir un petit peu qui travaillait, etc. Et être sûr qu'il y avait du monde. Et bien encore une fois, c'est très simple. Je pense que ça aurait mis la puce à l'oreille à Karis, justement, qui sait que je peux me transformer en différents monstres grâce au Dr. V. Et il aurait peut-être cramé que c'était fake et du coup, bah voilà, ça aurait été un petit peu relou. Bon, du coup, let's go. Pour l'instant, ils ne sont absolument pas sortis du bâtiment. Ça veut dire qu'ils m'ont pas cramé. C'est un peu bizarre. On va se diriger tranquillement. Voir déjà, est-ce que voilà, ils vont repérer. Parce que là, je suis clairement proche du pont. Hein. Vers là, voilà, si j'avance un petit peu vite, ils vont me voir arriver. Ça va être un peu chaud pour eux. Ok, pour l'instant, ils m'ont pas du tout cramé les abonnés. Ok, bon, bah écoutez, c'est bizarre. On se rapproche tranquillement. Ok, ok. Eh, mais ils ont toujours pas vu. Non, mais ils font quoi en fait? Oh, Valentin, regarde. Ah, ok, ok, je crois que c'est bon, il m'en paierait. Wow, viens, on y va. Oh, lieutenant Christian, qu'il y a-t-il? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait, Jérôme, là? Non, mais attends, c'est quoi ce délire? Ok. Alors, pour l'instant, j'ai entendu. Ok, donc, il y a Valentin qui est là, il y a le lieutenant Christian. Ok. On attend. Okay, let's go. Mais ce ne serait pas Breaking Gnous? Si, venez. Wow, c'est bon. Regardez comment il se tire. Ok, il me tire dessus. Ok. Mais qu'est-ce qu'il fait, Jérôme? Il balance des grenades. Ok. Et bah écoutez, pour l'instant, il m'attaque. Mais sauf que les armes, on a très bien vu que ça faisait pas grand chose à Breaking News la dernière fois. D'ailleurs, ça me fait pas grand chose non plus. Les gars. Donc, je sais pas trop ce qu'il essaie de faire. Ah, par contre, il met des dégâts avec le. Aïe, il me fait mal avec le fusil à pompe. Ok, on va s'éloigner un peu. Ok. Ils sont en train de m'éloigner quand même. Faut l'attirer, les gars. Oui, ils veulent m'attirer. Ok. Mais pourquoi ils ont peut-être une nouvelle technique. Ça, je suis pas. Ah! Ah. Ok, j'ai pris carrément dans les yeux, là je vois plus rien. On l'attire vers nous. Ok, ils veulent l'attirer vers moi. Ok, je comprends pas pourquoi ils veulent m'attirer. C'est peut-être une nouvelle technique, je suis pas au courant du tout de ce qu'ils sont en train de faire les abonnés. Je sais pas du tout ce qu'ils font en face, regardez, attendez, ils m'attendent. Allez, viens, attendez. Quoi, attendez, je les attaque. Wow, wow, oh, je suis allez, tombé. Yes, allez, on l'a eu. Non, je suis croisé. Franchement, il est trop débile ce gars. Non, il s'est trop cru dans l'attaque des titans. Non mais what? Allez, chier. Le retour de Diabolo va. Attends, c'était quoi? Il a dit quoi? Il a dit faut qu'on attende le retour de Diabolo. C'est moi Diabolo. Ah, il ne m'entend pas. On va attendre Diabolo là. What? Oh mais non. En fait, je vous explique ce qui est en train de se passer. Les abonnés, ils sont trop fiers en fait de m'avoir capturé et du coup ils veulent attendre genre mon retour pour présenter qu'ils m'ont capturé. Sauf que c'est moi Diabolo. Mais non, mais comment je vais faire? Oh là. Oh les abonnés, je suis dans la mouise. Eh, il est trop dégueu ce monstre, hein. Oh, je suis dans la mouise. Oh là là. Ah. En plus, je commence à avoir un peu mal au bide. Ok, ouais, c'est la potion, elle me fait. Mais c'est pas normalement, c'est pas tout de suite que je vais me détransformer. Hein. C'est la potion, je pense, qui commence à me tourner le bide. Waouh, hardcore. Bon, bah, les abonnés, je sais pas quand est-ce que je vais plus être transformé. C'est assez relou. 1 hour later. J'en peux plus, les abonnés. Ça fait une heure. Ok, il a arrêté de pleuvoir déjà. Non, il continue de pleuvoir. Mais c'est pas possible. Je regardais, il pleut de ouf et tout. Il y a de l'orage et tout. J'en peux vraiment plus. C'est horrible. Oh là là. Ah, je crois que. Ok, ils sont toujours pas venus me voir depuis tout à l'heure. Ouais, ok, il pleut plus. C'est la nuit bientôt. Je crois que je me sens bizarre. Oh. Wow. Ok. Je suis nouveau Diabolo Fit 35. Ok, je vais pouvoir hurler. Ouais, venez me chercher. C'est Diabolo, je suis dans le trou. Oh, vous entendez? Ouais, c'est Diabolo. Voilà, aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. Attendez, c'est peut-être un Fugling Star. Non mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est moi, venez m'aider. Attends, ça vient d'où? Mais c'est du trou, je suis dans le trou. Je suis dans le trou. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Mais je suis dans le trou, c'est moi, c'est Diabolo. En fait, j'ai fait un test en fait pour savoir comment vous alliez réagir. Vous avez réagi de manière parfaite. D'ailleurs, je sais même pas comment vous avez construit ce énorme piège. Waouh! Non mais vous pouvez. Maurice, tu me pousses pas. Vous avez moyen de me faire remonter ou quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Ça se trouve, c'est un imposteur. Vous avez moyen de me faire remonter ou quoi? Ouais. Vas-y, mettez une source d'eau ou je sais pas, genre. Je sais pas si vous avez ça. Diabolo, je saute, les gars, je saute. Non, saute pas toi. Non, mais what? C'est un malade. Ok, de toute façon, il est immortel. C'est vrai. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que tu es René. Et ben, je t'ai apporté des crêpes à la saucisse. Des crêpes à la saucisse? Non, mais what the fuck? Qu'est-ce que tu me racontes? Ok, non, mais c'est moi, il est en train de poser des échelles. Bon, c'est bon, je vais réussir à remonter. Ah, wow, je suis refait. Ok. Alors, non, mais en fait, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai voulu faire. Genre, ça va être simple, vous allez voir. En fin de compte, genre. Bah je me suis... Eh, c'est énorme. On a l'impression, regardez, c'est des rails qui continuent vers le bas. Ah, c'est stylé. Ah ouais. Bref, c'est moi qui l'ai creusé, hein. Du coup, il y a quelques petits trucs à régler déjà. Pourquoi, Jérôme, t'es dans la fondation DEF35? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est lui qui nous a aidé à préparer le piège. Ah ouais. C'est un maçon.
Ah ouais, ok. Et bah écoute, franchement, tu te rajoutes. Et j'aide aussi pour Jérôme. Les recherches, hein. Jérôme, voilà, tu es en période de test. Je te prends en tant que stagiaire dans la DF35 Foundation. Et si tu continues de faire des choses aussi stylées, eh bien, je te prendrai en tant que membre à part entière. En tout cas, ça bravo à vous tous. Vous avez parfaitement réussi le test. Par contre, la breaking news, il peut clairement arriver pour de vrai. Donc, on va se réfugier à l'intérieur de la Fondation DF35. Ouais. Et franchement, faudra faire venir Asie. Un gros bravo à vous. Bon, si Breaking News y revient pas, moi ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la dernière vidéo de Zigoto. Voilà, Zigoto, c'est un de mes acteurs. Il a fait une vidéo avec moi très récemment. Du coup, bah, vous pouvez aller checker sur sa chaîne. Juste avant, j'ai plein d'informations à vous dire. Vous pouvez aller la voir après cette vidéo. Si ça vous plaît, ce sera en description, ainsi que toutes les chaînes des autres acteurs. j'ai pas mal bégayé pendant cette vidéo, ou dit un peu n'importe quoi, je sais pas trop pourquoi. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaît quand même. Bon, du coup, franchement, vous avez trop géré. Ce piège-là, vous l'avez construit quand? Moi, je l'ai creusé avant-hier. Ah ouais, franchement, vous avez trop géré. On a un peu aidé aussi, hein. Franchement, vous avez... Ok, ouais, vous l'avez aidé. Okay, oui, quelques centimètres sûrement. Bon, bah écoutez, je pense qu'il va falloir reconstruire le piège, malheureusement, parce que du coup, je l'ai détruit. Et Diabolo. Je pense qu'on a un piège vraiment parfait, et peut-être dans les prochains épisodes, on arrivera à capturer Breaking News, et ça, vraiment, ça va être très très cool. Oui, qu'est-ce qu'il y a Ça te dérange si je me mets ici, mon bureau? Non, tu peux... Bureau de Jérôme Maguette. Non, Jérôme, déjà, tu sais ouais, pas ton prénom. Il sait pas écrire son prénom. C'est avec un J. C'est avec... c'est avec un G. Non, c'est avec un G. Non. Et c'est la secrétaire qui a mis le panneau ici? Bah oui, bah apparemment, je sais pas, c'est... Elle me cherche clairement. Mais attends, il y a deux secondes... J'ai un G. Mais de quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a deux secondes, tu disais que c'était avec un G, justement, ton prénom. Mais il est schizophrène, lui. Il est schizophrène, ce mec. Bon, on l'aime quand même, on commence à l'apprécier, le petit Jérôme, même s'il fait tout le temps des trucs what the fuck, je comprends pas. Bon, bref, en tout cas, c'est du grand n'importe quoi. Bon, voilà. J'espère les abonnés que cette vidéo vous aura plu. Je pense que la prochaine vidéo on va essayer de capturer Breaking News, puisqu'on a un plan qui marche parfaitement. Alors est-ce que ça va marcher? Là ça va marcher en théorie, est-ce que ça va marcher dans la pratique? On verra. En tout cas un grand merci à tous les acteurs qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Il y avait du monde encore une fois, et je les remercie tous encore une fois, et d'ailleurs toutes leurs chaînes sont en description. Il y avait Invisible Man, Slither, Zigoto ainsi que Spartax. Toutes leurs chaînes sont en description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde les potos, je vous aime et à bientôt.